Hey, salut, c'est Jean. Cette semaine, on a reçu le deuxième Die 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 de Kirkman, évidemment, avec des couvertures différentes. Il y en a quatre différentes. J'ai lu la BD Charogne. Ça se passe en 1864 dans les Pyrénées. C'est un petit village qui a de la difficulté à payer les réparations. Le toit de l'église est effondré. On a de la misère à payer ça. Et le bon maire qui s'occupe de tous les habitants fournit pas et il meurt dans les champs. Vu que le prêtre n'accepte pas d'aller faire les derniers une célébration dans une église avec un toit à moitié arraché, les habitants qui n'ont pas d'argent pour faire la réparation doivent transporter le défunt sur leurs bras dans la vallée. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a de la chicane entre voisins. Que ça commence comme ça. Et je suis en train de lire la nouvelle bande dessinée de Tristan Rouleau et Denis Rodier. On est en 1934. La Première Guerre mondiale ne s'est jamais terminée. Ça se poursuit. Fait que militaire, côté surnaturel, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir comment ça va finir. En fin de semaine, des activités. C'est le Festival de bande dessinée de Prévost. Festival de bande dessinée de Prévost, le 25 et le 26. Ou samedi et dimanche, organisé par la ville de Prévost. Super beau festival, plein d'invités, plein d'auteurs, plein d'activités. C'est gratuit. Cette année, je n'y serai pas, car je vous parle d'une autre activité où je serai ce samedi. C'est le Kildare Deluxe, qui se déroule à Saint-Ambroise de Kildare. Alors, amateurs de vieilles voitures, de musique des années 50, vous allez être servi. Fait que vous prenez votre gogo, vous tapez Saint-Ambroise de Kildare pour le Kildare Deluxe. Il y a plus de 600 autos qui vont être dans les rues du village. Il y a des activités pour toute la famille, des jeux gonflables, des jeux d'eau, de l'animation. Il va y avoir pas juste des véhicules antiques. Je devrais voir, il y a une section pour les véhicules de films. Alors mon chum, que les véhicules de Jurassic Park, moi je compte bien de voir là-bas. Là. Des scènes avec des groupes de musique, ça va jouer de la musique des années 50, des années 60 je crois. Ça va être bien cool, on se croise là-bas. Aussi ce jeudi, c'est déjà la fin du club de lecture que j'anime à Philippe Panton pour les adolescents. Alors jeudi soir, je serai à la bibliothèque une dernière fois cet été pour cette belle activité. Et nous, ben, on se dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut! Lève-toi, Thunder! ans d'histoire ce soir se termineront. Ils ont été champions du monde à plusieurs reprises. Ils ont représenté le Québec avec honneur et fierté. Mesdames et messieurs, accueillons Émile, Cédric, Jean-Jacques et leur papa Jacques!